passe comme prévu. Oui, les Turcs s'en occupent. Tout se déroule à la perfection. Monsieur, s'il vous plaît, reconsidérez. Je vous en prie. Le bidonville du secteur 7 abrite plus de 50 000. Rive. Laissez-nous au moins donner l'ordre d'évacuer. Quand te débarrasseras-tu enfin de cette naïveté inappropriée? Rive. Ces sacrifices sont nécessaires pour avancer. Il va falloir t'y faire. Qu'est-ce que j'ai raté? On est où? Je sais pas, j'étais pas là. C'est ignoble cette odeur. Et là tu fais que tu sois en premier. On est venu pour elle et Harris, elle est solide. T'y vas. Cloud. On doit vite aller au secteur 7. Ouais. Pauvre Harris, on l'entraîne avec nous. Elle comprendra. Comment est-ce que tu l'as connue? Je l'ai d'abord aidée. Et après. On s'est aidé à tour de rôle. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais pourquoi elle t'aide au moins? Ça l'amuse, j'ai l'impression. Il n'y avait pas eu de boss encore depuis longtemps. Et ça fait une belle salle de boss. Bon. C'est un rat mutant géant. Oh. C'est un faux behemoth. Ah, c'est un insu. Enfin, c'est quoi un insu? On est beaucoup maintenant. Bon, il reste tout donc. Ok. Avec un PV, tu peux faire quoi? Commencer avant. Hein. Ok. Vous aimez aussi qu'il y a un bouton passer la scène. Tu veux
On a vu la magie, je fais rien. Ah, mais je vais rater ma. On invoque le truc qui nous soigne. On devrait l'invoquer plus tard. Même quand il gratte un tag, il me touche. Oh là, on a un là. Je pense qu'il voit des gars, mais c'est rien. Par contre, c'est un truc qui résiste à la magie. Hein. Mais non. C'est fou quand tu fais ça. Ils sont beaucoup dessus pour me soigner. Hein. Il a tué sur deux fois en fait. Je vais faire mon sort moi-même. Ah oui, je vais esquiver. Donc vous soignez avant. Ça se présente mal. J'arrive. Non, le top il reste. Phoenix sur Cloud, qui est mort étrangement. Je peux esquiver ce truc. Elle garde tout le temps en l'air, donc elle garde la vocation pour. Faut que je me saisisse. Pour continuer de faire devenir rouge. Même quand il rate son attaque, il me fait des dégâts. Très bien. Ah, là il vient où. Là on l'a touché. J'ai vu de bas. Je vais vérifier un truc. On va faire le cas. Ok, pas de glace, ok. Enfin, on va invoquer ça. Allez, à quoi jouer ? On sait jamais, peut-être que le fait qu'il farouche, ça lui fait un truc de feu et. Je sais, c'est pitié, pitoyen.
Entraînement, entraînement. Ce truc où il est une sur quelle cible, hein? Oh, c'était one shot qu'il avait pas invoqué. Faut se mettre là dans... Je me disais que c'était pas très utile de l'avoir acheté ce truc, mais en vrai... Sur elle. J'ai vu qu'elle avait plus de barre et qu'elle avait presque une avance. Je me dis, je vais. Et je vais faire une méga potion. Une potion sur. Arrière. Bon, ici, on va faire. On va les refaire plus vite. Bah, Arias, elle a beaucoup de bien. Bah, moi aussi en fait. Objet, méga potion. Tu sais que je suis empoisonné. Mais le temps que je me soigne. Donc autant c'est bien la fin du perso qu'elle s'en prend. Que la soigner c'est bien. Oh mais j'avais. Obligé que le phoenix. Ah, au début il est facile et après. Hein. On arrive à le toucher. Je me mets en retrait. C'est pas le meilleur moment. Quoi? Ça l'a arrêté? Mais j'arrive bien à faire mon attaque finale sur lui en fait. Je vais te laisser terminer. Là j'ai eu. Il nous rend notre côté phénix, ça c'est tout. Et le micro-texte. Ouais, il va pas s'enfuir. Il est parti. Vous croyez que c'est son repère ici? Cornéo l'a peut-être apprivoisé. Et nourri. Ohi! Au fait. Vous croyez à ce qu'il nous a dit pour le plateau? Ils peuvent pas le faire tomber. Pas sous prétexte de nous éliminer. Ça toucherait tout Midgar. La compagnie Shinra irait aussi loin que ça. Qu'est-ce que tu crois? Que Cornéo aurait inventé cette histoire pour nous faire peur?
Il a cru nous tuer. Ouais, ce serait bien son genre. Oui, mais... Et si jamais c'était vrai? Hein? Il y a un risque, non? On sait jamais. Hein? Allons-y. On n'est pas censé vivre, hein, donc on n'est pas censé vivre. S'il se passe rien en fin de compte, alors tant mieux. Pas vrai? Tifa! On a une qui est super lente et une qui est super rapide. Apparemment, cet endroit a l'air de communiquer avec les égouts. Et alors? Si on suit les canaux, on devrait arriver au bidonville du secteur 7. Ça fait dans ça. Les égouts des secteurs 6 et 7 sont reliés entre eux. Quand on est perdu, il suffit donc de suivre les canaux souterrains. Il s'agit d'une règle du bidonville? Bien sûr que non. Les égouts peuvent servir d'évacuation pour Avalanche, pour les cas d'urgence. Ah, donc, on dirait un labyrinthe. C'est une règle là-bas, non? Oui. Il y a un grand canal pas très loin d'ici dans cette direction. Commençons déjà par nous y rendre. D'accord. Si on se soignait. Ah, et ça soigne nous. Vraiment, si je spam, ça fait long. Allez, sans pitié. T'as vu ce truc? C'est quoi? Compétence. Analyse. Ça va te calmer. Ah, j'ai ça. T'as une tortue Ça. Méga feu. Il est choqué. C'est bon. Continuons comme ça. Avec plaisir. On pourrait passer l'MP pour faire des méga feux tout le temps, mais. Tiens. Je vais pas me décasser ici en fait. Mais attendez-moi! Et si c'est par là que je voulais aller? Ouais, y'a peut-être des trucs cachés? Non, elles avancent. Ça va les attendre si c'est trop lent. Mais il va tout en mauvaise direction, qu'est-ce qu'il fout? Hein? C'est pas nager. De toute façon, je ne me serais pas tenté, même si ça avait une aveu. Il y a un truc là-bas. Ah. On va vider le truc et on pourra marcher. J'ai plus de batterie, hein, pour que j'y pense. Ce sont les eaux usées des bidonvilles. Forcément, elles sont pas très propres. Ouais, pas très propres. Bah ça va, ils ont des beaux égouts pour des bidonvilles. Hein. On va pas aller voir ce qu'il y a là-bas. Et on sait que c'est un équipement. Ah, la route est par là, ok. Donc on va aller par là. Ça sent le piège, non? C'est pour tout le monde qu'il y a une mimique qui sort là-dedans, mais normalement c'est un équipement. Cool. Il a plus de matériel. Ça va, elle a rattrapé ses niveaux. Attends. Ah oui, bah arrête, ça fait un manque. Équipement. Elle fait l'attaque physique, elle décolle en attaque magique. Pour lui mettre pour le mettre ouais. C'est un bel moment, c'est grave fécond. Vous voulez que ça on va faire tout seul.
On attaque. Et il y a une dernière en plus. Attribué. Il y a du feu. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? On a Yas avec nous donc. Ouais, on va pas dire d'effet. Pas de magie. Non, on pourrait la faire voler. Mais on aura un perso pour ça après. Par ça serait utile de passer par je sais pas. J'aurais pas un CD ici. Ah non, inventaire 0. Mais il n'y a pas de réduc dans cette machine. On va s'asseoir. On l'a battu partout, mais bon, qui sait. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense que je l'ai fait partout dès que je l'ai vu. Hein. Oh, à nouveau. Ah, merci à toi. Ça bug un peu ce soir quand même. Je m'en occupe vite fait. Je préfère t'aider. Ah, faut dire. Oui, un temps, oui, faut dire. T'as pu? C'est bon quand ça s'arrête. Bah, c'était, ça a été court. C'est pas tout caché là quand même au cas où. Au moment je sais plus pour avancer. Hein. J'aurais plus de batterie. Oh. Ah dira. On l'a pas ce monstre là. Un petit sort de glace. Ah. Personne n'a glace en fait. Vous pouvez dans tous les terrains. Oh, il est bon. Elle est où? On a tous tapé un mort. Par cette porte ou par. Ah, ok, c'est la sortie par là. Et quoi par là? On en revient, c'est ça? Rien, non. Si, si. Y'a pas de secret, rien. Ah, mais c'est quoi par là alors? Attends, faut en haut ou quoi? Donc là, on a été à la boutique, on a fait ça, on a fait ça. Donc là, y a un truc. Y'a peut-être une matière à où. Il y avait bon. Pas de combat ici, étrange. Ah, les caisses. Ah, mais il me faut cette clé. Hein. Donc c'est bien la porte de Cornéo aussi.
Après j'ai une grosse clé sur mon dos mais je veux pas l'embrouiller. C'est sûrement un objet qu'on reçoit à la fin du jeu pour dire de continuer à jouer. La sortie, pas la sortie. On passe par ici. Il y a pas beaucoup de lumière. Essaie donc de pas trop y penser. Dis Cloud. Ah, c'est là. Ok, il y a deux chemins, un noir et. Ce que Cornéo nous a révélé pourrait bien s'avérer être vrai. Non. Dans ce cas, qu'est-ce qu'ils pourraient chercher à faire, à ton avis? Je veux dire, ce serait quoi leur véritable objectif? Si c'est juste pour se débarrasser de nous, tu trouves pas que c'est un grand prix à payer? Il y a sans doute un intérêt pour eux à détruire le secteur 7. Ben. Mais à vrai dire, moi ça me dépasse complètement. À tout détruire en fait. Il faut démentir, n'est-ce pas? Après tout, c'est dans sa nature. Ok. On va faire un chemin noir et un peu. Ouais, caméra. Mais je l'ai vu le bouton. Hein. C'est probablement un tableau électrique. Il a vraiment l'air très vieux. C'est pour ça qu'il y a un glabou. C'est une antiquité d'avant la Mako. Même si c'est un appareil Shinra, ça sera un miracle s'il marche. Attention, miracle. Bah voilà. Bam. Par contre, la porte s'est fermée toute seule, hein. Il y a forcément un monstre qui aime pas la lumière. En tout cas, il va se faire attaquer. De toute façon, les matériaux sont lumineux, donc on les aura vus et les coffres aussi. Donc, C'est fermé. Ah, il doit y avoir un double de la clé. C'est Jesse qui l'avait fait faire. Un trésor caché au fond de l'eau? Cherchons-le. Donc faut couper, ok. Faut garder sans l'eau. Ok. Donc par là aussi, il n'y a pas de lumière. Si on ne laisse pas le choix. Très bien. Il est réduit celui-là. Bon, y'a rien! T'as fini avec les bulles d'eau. T'arrives pas à bouler! Comment il m'a snobé? J'ai même pas forcé. Bah, t'as fait mourir surtout. Ah bah, y'a un bouton. Encore un TVC. Ok, donc on peut fouiller ici. Mais de l'autre côté, il y a encore plus d'eau. J'espère qu'on peut se faire là. Ah. C'est la clé. Ben voilà. C'était un dessin, mais non. Mais il y a peut-être une matériale sous l'eau. De l'autre côté. On va passer par là. Je crois qu'il déclenche le bateau de la porte. Là. Ah, par contre, on n'est pas venu ici. Ça va, l'eau n'a pas emporté la clé. C'est cool. Y'a rien en dessous? Même pas un petit coffre? Y'a des caisses. Y'a peut-être une pièce bug. On peut faire. C'est pas trop utile. Et un coffre! J'ai même pas vu. Oh, des souffles, trop bien.
Mais bon. On a tout ce qu'il nous faut. Bien joué. T'as mis la clé dans la porte, trop bien. Mais arrêtez de me pousser. Elles sont pressées de sortir. Elles poussent tout le monde. Et Claude, il veut pas courir. C'est ici. Ce grand canal souterrain. Je le reconnais. De l'autre côté, ce sont les égouts du secteur 7. C'est donc la frontière avec le secteur 6. Quoi qu'il en soit, il faut que nous entrions dans la partie du secteur 7. Non, on peut sauter. Ça devrait nous mener au bidonville. On peut sauter, non? Ça n'a pas l'air aussi simple. Et si on utilisait cette pompe à eau comme repère? Comme ça, on évitera de se perdre. Encore se perdre. Si on y va doucement, on va y arriver. Oui, tu as raison.